Bonjour à tous, c'est Elfège, salariée Lidl et aussi égérie jardinage. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour découvrir ensemble comment faire sa culture et ses semis. Sachez que vous pouvez retrouver dans nos supermarchés des graines et des kits complets pour faire vos cultures et vos semis. En plus de ça, c'est intuitif et vous pouvez le faire en famille. Allez, on va commencer avec les mini-serres. Ce set de mini-serres se vend par lot de 4. Vous allez pouvoir retrouver le couvercle, les alvéoles par 24 et le bac. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes semis de basilic et ciboulette, mais ensemble, nous allons faire des semis de courgettes. C'est parti, je vais commencer par remplir mes alvéoles de terreau. Le terreau doit être léger et drainant, tout en ayant une bonne rétention d'eau. Et voilà, j'ai donc rempli toutes mes alvéoles. Maintenant, je vais venir faire un petit trou avec mon doigt pour venir y placer ma graine. Je viens donc y déposer ma graine. Et maintenant, je viens donc tapoter par au-dessus pour recouvrir ma graine. Mes trous sont maintenant recouverts. Je vais pouvoir venir les vaporiser. J'arrose en plus fine. Pensez à étiqueter vos semis, ici des courgettes. Placez maintenant votre mini-serre à un endroit bien exposé à la luminosité, par exemple derrière une fenêtre, mais attention, pas de soleil direct, sinon ça risque les coups de chaud. Veillez à ce que le terreau reste suffisamment humide, sans excès, en vaporisant ou en arrosant en plus fine. Lidl propose deux sortes de mini-serres, celles que nous venons de découvrir, mais aussi avec le set complet, pour cultiver au choix, petits légumes ou herbes aromatiques. Nous allons la découvrir maintenant. Dans ce set que Lidl propose, vous allez pouvoir retrouver le terreau desséché que vous n'aurez qu'à plonger dans l'eau, le set de graines et le plantoir, et bien évidemment, la serre en elle-même. Lidl propose également cette tour à pommes de terre. Vous pourrez aussi l'utiliser pour vos plantes aromatiques ou vos fleurs, mais vous pouvez aussi retrouver d'autres idées d'utilisation dans notre livre « Mon jardin facile avec Lidl ». Autre option jardinage que j'aime beaucoup, la table de culture. Idéale pour protéger vos plants des petites bêtes, mais aussi facile à utiliser grâce à sa hauteur. Je l'utilise actuellement pour cultiver mes radis. Voyons ensemble comment ça fonctionne. Il faut d'abord préparer votre table de culture avec couvercle en la remplissant de terreau spécial légumes. Disposez vos graines en ligne. Ici, j'ai utilisé une bande avec les graines déjà espacées. Vous pouvez les retrouver dans nos supermarchés. Recouvrez votre ligne de terreau. Arrosez abondamment. Petit conseil, pour que vos radis ne soient pas creux et ne piquent pas la langue, arrosez-les très souvent. Il ne vous reste qu'à attendre entre 20 et 35 jours pour les récolter. Et ensuite, vous pourrez les déguster avec vos amis ou votre famille. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Nous avons vu ensemble comment faire sa culture et ses semis. En ce qui me concerne, je vous dis à très vite. En attendant, likez, commentez la vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube Lidl France. À bientôt !